السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم dans cette soirée du samedi, très inchallah, d'après voir la date. En cette soirée du samedi 25 Shawwal 1429, ce qui correspond au 25 octobre 2008, nous sommes, inchallah, ta'ala, dans le deuxième tome avec le 18e cours. Nous allons, comme d'habitude, faire une petite révision et commencer, inshallah ta'ala. Vous n'oublierez pas de me dire si yani, tout va bien dans l'autre salon, et s'il y a du son dans le deuxième salon, inshallah ta'ala. Donc nous parlions de la position de Ahl Sunna ou le Jama'a, la position des gens de la Sunna et du consensus entre, et nous avons montré comment que Ahl Sunna ou le Jama'a sont toujours dans le milieu, pas des extrémistes, sont bi'idhna azzawajal dans le milieu. Nous avions dit que, en ce qui concerne les droits d'Allah, les juifs décrivent Allah Azza wa Jal avec des défauts, disent que Allah Ta'ala a des défauts. Et ils le mettent à pied d'égalité avec ses créatures. Alors que les chrétiens, de l'autre côté, l'autre extrême, mettent à pied d'égalité la créature avec Allah Azza wa Jal. Et Ahl Sunna wa Jama'a sont au milieu. Hein, n'atteste que aucun défaut, Allah Azza wa Jal n'a aucun défaut. Et Allah Azza n'est décrit que par les bons attributs. Allah Azza wa Jal n'est décrit, ils sont au milieu, alhamdoulilah. Donc, ce qui concerne les messagers, ils ont mécru aux messagers et ont même essayé de tuer Isa alayhi salam. Alors que les chrétiens de l'autre côté, ils ont prétendu, ils ont eu le zèle, le grand amour, au point, ils sont devenus des extrémistes, envers qui? Envers les messagers, au point de dire que les messagers, ou bien certains d'eux, comme Isa alayhi salam, Jésus, est un dieu. Astaghfirullah. Les sunnah ou le jama'a sont au milieu. Les gens de la sunnah sont au milieu, ils disent Abdullah. Naam, Abdullah, c'est le serviteur d'Allah et son messager. Et nous avons montré dans les adorations comment les chrétiens, naam, adorent Allah Azza wa Jal avec quoi? Avec la souillure. Comment que, quand ils urinent, etc., ils ne se lavent pas et vont comme ça à l'église. Naam, sans se laver de l'urine. Et dans l'autre extrême, et qui
vêtement ou l'urine qui a été touchée par l'urine. Il coupe avec le ciseau. Naam. Et al-sunnah ou al-jama'a, masha'Allah, ni à la moitié avec l'urine, ni ils coupent, déchirent leurs vêtements. Mais seulement la souillure, et ils sont au milieu. Nous avons parlé en ce qui concerne la passion et le manger. Comment les juifs font les juifs, et pas avant cela aussi, nous avons parlé comment, yani, en ce qui concerne les ibadat, comment les chrétiens, naam, sont les extrêmes dans leur saleté, comment qu'ils font le rapport avec leur âme quand elles sont avec les monstres. Et que les juifs, l'autre extrême, naam, quand leurs épouses ont les monstres, ils ne la côtoient pas, ils ne s'assoient pas avec elles, ils ne mangent pas avec elles, ils ne... Salam alaikum. Si vous m'entendez pas, inchallah, je sors une autre fois et je reviens. Là, je me reconnecte. Nous avions dit, et enfin, en ce qui concerne le Qissas, la loi du talion, hein, chez les juifs, c'est quelque chose d'obligatoire. Si quelqu'un tue, il doit être tué. Non. S'il donne une gifle, il doit être giflé. Et comme ça. Et chez les chrétiens, c'est l'autre extrême. C'est-à-dire, s'il te gifle, non seulement tu le gifles pas, mais encore tu lui donnes ta joue. Tu lui dis gifle-moi, même sur l'autre joue. Et l'islam, alhamdoulilah, al-sunnah, c'est au milieu. Naam, c'est au milieu. Allah Ta'ala te fait choisir ce qu'il t'a fait, ou bien tu prends la diya, tu prends une expiation. Naam, c'est s'il a tué quelqu'un, on prend au moins son chameau, son chamel exactement. Naam. Ou bien on lui pardonne, on ne prend rien. Naam. Ensuite, on avait vu qu'il y avait cinq grandes règles, les attributs. On a montré quelle est la position de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, qui était entre les Jahmites et aussi entre les Jahmites et entre les anthropomorphistes. Naam. Les Jahmites qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut et les autres qui disent que non seulement il a des attributs, mais il ressemble, Allah Azza wa Jalla ressemble aux créatures. Les Jahmites disent que Allah Ta'ala n'a pas de mains. Les anthropomorphistes disent qu'il a des mains et c'est comme nos mains, comme les mains des êtres humains. Et Al-Sunnah al-Jama'a, au milieu. Naam, au milieu. Allah Ta'ala a des mains, mais pas comme les nôtres. Naam. Allah Ta'ala entend, pas comme nous, avec des oreilles. Etc. Allah Ta'ala voit, il a des yeux pas comme les nôtres, pas avec des cils, des sourcils, des pupilles, des je ne sais pas quoi. Non, Allah Ta'ala, rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Non, comme sa vie ne ressemble pas à la nôtre, non, son nuit ne ressemble pas à la nôtre. Sa clairvoyance et sa vue ne ressemblent pas à la nôtre. Sa descente ne ressemble pas à la nôtre. Son rire ne ressemble pas au nôtre. Et comme ça, les sunnah al-jama'a sont au milieu. La deuxième règle, la deuxième base, on avait dit, en ce qui concerne les actes des serviteurs. On a montré que Al-Sunnah sont au milieu entre ceux qui disent que l'être humain est contraint et forcé à faire la chose. Il est forcé à faire le péché. Il est forcé par l'alcool. Il est forcé. Naam.
Et les autres qui, tout à fait le contraire, appellent les Jabriya, les appellent Qadariya, tout à fait le contraire, qui disent que l'âme, l'être humain, est libre. Et tout ce qu'il fait, Allah Ta'ala fait avec lui. C'est l'être humain qui fait ce qu'il veut tout seul. Et nos jamaas sont deux. Ils disent de rien faire. Allah Azza wa Jal qui d'abord universel, et des fois la volonté est juridique, comme vous le savez, et vous l'avez vu dans tous. Et assurément, font la différence entre les choses que l'être de lui-même, comme bouger, faire la prière, choisir s'il veut faire la gauche et comme ça, et les choses qu'il fait de façon forme, il est obligé de mourir. Par exemple, il est de dormir fatigué. Il est obligé des cils, hein, c'est pas lui qui les commande. Il est obligé de vieillir. La troisième règle, troisième. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, la troisième, Aslou 16, l'Ouaïd. En ce qui concerne le châtiment, en ce qui concerne demain rencontrer Allah Azza wa Jalla. Quand je dis Shir, ici c'est Shir ibn Uthman. المر اسم فاعل من بمعنى أخر ومنه قوله تعالى قالوا أرجئه وأخ وفي قراءة أرجئه أي هو وسموا إما من الرجاء لهم أدلة الرجاء الوعيد وإما من تأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان ولهذا يقولون من والإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط. Première secte qui s'appelle le Murji'a, la première secte, le Murji'a, salam alaykoum wa rahmatullah. Est-ce que c'est mieux maintenant? On peut commencer, Inch'Allah Ta'ala? Non. Ou bien est-ce que ça coupe? Taïb, dans l'autre salon, il y a le micro? Il y a le micro dans l'autre salon, Inch'Allah? Taïb, est-ce que quelqu'un a pris le micro dans l'autre salon? Dans le high chat, est-ce que quelqu'un a pris le micro là-bas? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam, ashraf al-mursalin. On a perdu beaucoup de temps, mais qaddara Allah ma sha fa'al. Ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le destin et la prédestination. J'avais dit l'asl salif, l'wa'id. En ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le châtiment, etc. Taïb, on a d'un côté le murji'a. Et mourdites, et j'avais dit tout à l'heure, beaucoup de gens de nos jours, par exemple, parlent des mourdites. Ces gens, ça, ce sont les pseudo-savants, qui n'ont jamais ouvert un livre de science, et font des doros, et font des quoi? Ils font des fatwas. Et ils ne s'arrêtent pas là seulement, mais encore, ils vont dire sur des grands savants qu'ils sont des mourdites. Alors que eux, ils ne savent pas c'est quoi l'irja. Ils ne savent pas. Si tu lui dis c'est quoi le mourdi, il ne sait pas. Tu as entendu les gens dire que telle personne c'est une mourdite. Ils l'ont quoi? Ils l'ont imité. En fait, les mourdites, ism fa'il min arja'a bimana akhar. Ou minhu qawlu ta'ala, qalu arji'hu wa akhar. Ou fi qira'atin arji'hu, ay akhirhu wa akhir amrahu, ou summu mourji'atin imma min arraja'i, لتغريبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد وإما من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان. Donc les murji'a هذا on les a appelé نعم murji'a. Pourquoi? Ça vient du verbe arja'a. Ça vient du verbe arja'a, c'est-à-dire il a reporté, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran en parlant de Pharaon et sa secte. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit arjih wa akha. En ce qui concerne Moussa alayhi salam et son frère Haroun, ils ont dit à Pharaon, ils lui ont dit reporte, fais-le attendre, ajourne. Naam.
Ou bien certains disent, mais pourquoi? D'ailleurs, qu'est-ce qu'a à voir l'enjournement avec cette secte? Car les mourdites, ce sont les partisans du report de l'acte au dehors de la foi. Autrement dit, reléguer l'acte derrière la foi. Ainsi, les actes pour cette secte font partie, selon eux, de la foi. Non, font partie, ne font pas partie. Ne font pas partie selon eux de la foi. Les actes, d'après les Murji'a et les Murjit, ne font pas partie de la foi qui se restreint au simple assentiment intérieur du cœur. C'est pour ça que le pervers ou bien le pécheur, d'après eux, est un croyant à part entière et dont la foi est parfaitement intègre. Intègre, quels que soient les péchés qu'il commet ou bien la négligence des œuvres pies. Non. C'est pour ça qu'il s'appelle المرجئة. ولهذا يقولون إن فاعل الكبيرة كالزنا أو كالزاني والسارق وشارب الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار لا دخولا مؤبدا ولا مؤقتا. D'après eux, d'après cette secte, ils disent celui qui fait le grand péché, comme le fornicateur, ou bien le voleur, ou bien celui qui boit de l'alcool, ou bien celui qui, yani, comment on appelle ça, celui qui yani, agresse, etc., dans la rue, il agresse les gens, etc., ils disent que celui-là ne va pas aller en enfer, ni d'une façon éternelle, ni d'une façon momentanée. Pourquoi? Parce qu'ils disent, il a l'iman. L'iman pour eux, c'est quoi? C'est quelque chose qui se situe au niveau du cœur, ou au maximum, cœur et la langue. L'essentiel, il a dans le cœur la foi, et il a dit, Shahadoun la ilaha illallah, Shahadoun Muhammad Abdou Rasoulou. Maintenant, ce qu'il fait, que ce soit du bien, ce n'est pas très important. Et s'il fait du mal, comme les grands péchés, etc., ils disent, ça n'a pas trop d'importance. L'essentiel, c'est un croyant. L'essentiel, c'est un croyant. Ça, le Mourji'a. Donc, le Mourji'a, c'est qui? Pour que vous appreniez, c'est qui les Mourjites? Ce sont ceux qui disent ou bien la foi se situe seulement au niveau du cœur, comme les Jahmites, ou bien ils disent que la foi se situe au niveau du cœur et au niveau de la langue aussi. Comme par exemple l'Ashaira et comme par exemple le Karamia qui disent que la foi, c'est seulement au niveau de la langue, parce qu'il y a une différence sur les Ash'ari, parce qu'ils disent c'est seulement sur le cœur ou bien aussi avec la langue. Ensuite, on a tout à fait à l'opposé, on a l'Wa'idiyya. L'Wa'idiyya, ceux qui disent que, yani, là-bas, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Vous laissez toujours sa coupe. Vous m'entendez bien ou là, sa coupe? Alhamdoulilah. On a l'Wa'idiyya, tout à fait à l'opposé de cette secte. Non. Ceux qui disent, il a dit ici, فقابلوهم وغلبوا جانب الوعيد وقالوا أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها فإنه مخلد في النار بها. نعم. إن سرق فهو من أهل النار خالدا مخلدا وإن شرب الخمر فهو في النار خالدا مخلدا وهكذا. Donc à l'opposé, on a une secte qui s'appelle Wa'idiyya. Wa'idiyya, نعم. Celle-là, elles ne regardent que le côté, le côté du châtiment. Et ils disent que quiconque qui fait un grand péché, comme la zina, le vol, la drogue, et comme ça, si jamais il ne fait pas le repentir, s'il meurt, il va rentrer en enfer d'une façon éternelle. Khalid Mukhaled. Et la même chose s'il boit de l'alcool. Et la même chose s'il vole, et comme ça. Et bien sûr, l'Ouaidiya, cette doctrine, cette doctrine, on y trouve à l'intérieur une Mu'tazila ou le Khawarij. On y trouve à l'intérieur les Mu'tazilites et les Kharijites. Non, les Mu'tazilites et les Kharijites. Ces deux sectes, les Mu'tazilites et les Kharijites, disent que. Non, les extrémistes dans le châtiment disent que
celui qui fait le grand péché, il va rentrer en enfer et non plus ressortir. À part que la différence entre eux, c'est que les Mu'tazilites disent, on l'appelle pas kafir, celui-là, celui qui fait le grand péché, il va rentrer en enfer et ne plus en ressortir. Mais on ne l'appelle pas kafir, on ne l'appelle pas musulman. Alors comment on l'appelle? Ils disent, il est au milieu. On va le mettre au milieu. Ni kafir, ni mu'min. Non. Alors que les Khawarij disent, il est carrément kafir. Il a fait un grand péché, il est mort, n'a pas fait la tawba. Place, il va rentrer en enfer pour non plus ressortir. Donc d'après les Khawarij, si quelqu'un meurt, quelqu'un qui par exemple meurt par accident de voiture, sous, hein, il s'est saoulé et il est mort, il dit celui-là, il va rentrer en enfer, il ne va plus ressortir. Si quelqu'un fait la zina, il meurt, n'a pas fait la tawba, hein, pendant qu'il faisait la zina, il y a eu quoi? Il y a eu un tremblement de terre, il est mort. Il dit celui-là, il ne va plus sortir de l'enfer. Naam. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les deux, donc les Mu'tazilites et les Kharijites, disent quoi? Disent, ils sont d'accord pour dire que il va rentrer en enfer et ne va plus en ressortir. Mais ils diffèrent en quoi? Ils diffèrent en ce sens que les Kharijites disent il est kafir et les Mu'tazilites disent on l'appelle ni croyant ni kafir. Mais il est au milieu. Mais, alhamdoulilah, les gens de la sunna et du consensus, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont au milieu, alhamdoulilah. Ils sont au milieu, alhamdoulilah. Mada yaqouloun? Fa yaqouloun, la nughallib janib al-wa'id, kama fa'ala al-mu'tazilatu wal-khawarij, wa la janib al-wa'di, kama fa'ala al-murji'a. Wa naqoul, fa'ilu al-kabirati, مستحق للعذاب وإن عذب لا يخلد في النار. أهل السنة والجماعة الله عز وجل نفاس دو que disent-ils? Ils disent nous on est au milieu. On n'exagère pas sur le côté du châtiment comme ont fait les Mu'tazilites et les Khawarijites qui ont dit que celui qui fait le péché qui meurt sans avoir fait la tawba, ira éternellement en enfer. Et on n'exagère pas aussi sur le côté de l'espoir. L'espoir, comme on fait des mourdites, qui disent que même celui qui fait le grand péché, même s'il doit être châtié, hein, il ne restera pas en enfer. سبب اي السنة والجماعة طيب ولا جاي نقول لكم عفوا نيسي peut-être je me suis trompé j'ai dit on ne dit pas comme on dit les Mu'tazilites et les Khawarij نعم c'est-à-dire on n'exagère pas sur le châtiment on ne dit pas que celui qui fait le grand péché meurt on ne dit pas il va rester éternellement en enfer comme on dit les Mu'tazilites et les Khawarij et on n'exagère pas sur le côté espoir comme on fait les murji'a, comme on fait les murdites, qui disent que le croyant, même s'il fait un grand péché, ce n'est pas grave. Mouhim, il est croyant, il a attesté avec son cœur et avec sa langue. Mais, al-sunna al-jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que celui qui fait le grand péché, hein, s'il ne fait pas la tawba, il meurt, en principe, il va être châtié. Mais, il est possible que Allah Ta'ala lui pardonne, ça d'un côté. Et de l'autre, même s'il ne lui pardonne pas, il ne va pas être éternalisé en enfer. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, ce qu'il ne pardonne pas, c'est quoi? C'est le shirk, le grand shirk, le polythéisme, l'associationnisme, le grand. À part cela, Allah Ta'ala, s'il veut, il pardonne tous les autres péchés. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est pour ça que ce que vous devez savoir ici, c'est que on doit être comme un pigeon. El Sunna ou Jama'a, celui qui est de la Sunna et du consensus, il se fait ressembler un peu à un pigeon. Le pigeon, qu'est-ce qu'il a? Il a deux ailes. Il ne peut pas voler avec une seule aile.
Nous aussi, on a deux ailes. L'aile de l'espoir que Allah Ta'ala va nous pardonner, etc. Il va pas nous faire entrer en enfer, etc. Et la deuxième aile, c'est quoi? L'aile de la peur du châtiment. Non. Celui qui yani, exagère ou la penche seulement à une des deux ailes, il n'est pas de Ahl Sunna ou Jama'a. Parce que si tu penses seulement à l'aile de l'espoir, tu vas devenir mourdite. Tu vas dire, tout ce que je fais, Allah Ta'ala va le pardonner. Naam, bois de l'alcool, fais tout ce que tu veux. Naam, tu ne vas pas rentrer en enfer. Ce n'est pas important. L'essentiel, tu es croyant. Ou bien, tu penches sur la deuxième aile, seulement l'aile de la peur. Naam, tu dis, c'est très grave. Quiconque fait un péché, un grand péché, il va rentrer en enfer et non plus ressortir. Mais elles sont là au milieu. Naam. Des fois, tu penches un peu vers la droite, des fois, tu penches un peu vers la gauche. Tu as peur de tes péchés et tu as l'espoir d'être pardonné demain quand tu rencontres Allah Azza wa Jal, tant que tu n'es pas morte avec quoi? On l'a vu et on le verra, inshallah ta'ala, encore une fois, inshallah, quand on y arrivera. La quatrième base ou bien la quatrième règle, naam, en ce qui concerne Asma ul Iman ou Din, Asma ul Iman ou Din. Il a dit, هذا في باب الأسماء والدين وهو غير باب الأحكام الذي هو الوعد والوعيد. ففاعل الكبيرة ماذا نسميه؟ Un mu'min, un kafir. Il a dit maintenant, en ce qui concerne les noms, en ce qui concerne les noms, dans le din, dans la foi et le din, naam. Celui, par exemple, qui fait un grand péché. On va imaginer quelqu'un, par exemple, qui a bu de l'alcool. Comment qu'on va l'appeler? On va dire de lui c'est un croyant ou bien on va dire de lui c'est un kafir. Comment qu'on va faire? On va dire c'est un croyant à 100%, comme on dit les mourjites, ou bien on va dire c'est un kafir, non? Comme on dit les kharijites, ou bien on va dire aussi c'est quelqu'un qui ne va pas sortir de l'enfer s'il meurt, comme on dit aussi les mu'tazilites, non? Ahl-Sunna sont au milieu entre les kharijites et les mu'tazilites d'un côté et entre les mourdites et les djahmites de l'autre côté. Naam. Les kharijites et les mu'tazilites l'ont fait sortir de l'iman, de la foi. Les kharijites et les mu'tazilites ont fait sortir qui? Ont fait sortir celui qui fait le grand péché et meurt sans la tauba, l'ont fait sortir de la foi. Mais les kharijites ont dit, c'est un kafir. C'est un kafir. Il va être éternellement en enfer. Et ici, dans cette vie, on peut le tuer. C'est un kafir. C'est pour ça que, hein, ils disent de la plupart des gens qui sont des kofars. Ils disent de la plupart des gens qui sont des kofars. Rentrer dans le salon de Salah 19 et la clique, hein, une petite fois, tu es kafir. Tu es kafir, tu es kafir, tu es kafir, comme ça. Tout le monde est kafir, sauf qui? Sauf Salah 19 n'est pas kafir. Et l'autre, comment il s'appelle, Abu Hassan de Belgique. Sauf ces deux-là ne sont pas des kuffars. Tous les autres, ce sont des kuffars. Naam. Et eux, bien sûr, ses parents, ses enfants, ses frères, leurs tantes, tous ne sont pas des kuffars. Naam. Le kafir, c'est seulement qui? C'est seulement celui qui ne les suit pas. Ou amma al-murji'a al-jahmiya, mais quand on murjit et jahmit, فخالفوا هؤلاء وقالوا هو مؤمن كامل الإيمان. Donc à l'opposé des kharijites et des mu'tazilites, qu'est-ce qu'on a? On a les jahmiya et les mourdites, les jahmites et les mourdites. Cela, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout à fait le contraire. Ils disent que quiconque, naam, quiconque fait un grand péché, c'est toujours un musulman parfait. Naam. يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق وانا اقول له انت مؤمن كامل الايمان. Il vole, il fait la fornication, il boit de l'alcool, il tue et il agresse et on lui dit tu es un croyant parfait. Ta foi est parfaite. نعم. Donc فهؤلاء وأولئك على الضد
في الاسم وفي الحكم. دونك لي دو بروميير سيرت اي لي دو ديرنيير سون فريمون ا لوبوزي ان سكي كونسيرن لو جوجمون اي ان سكي كونسيرن لي نون. لي نون سادير كافر او بيان مسلمان اي لو جوجمون اسكو اي ايترنيل ان انفير او با. لي معتزليت قالوا فاعل الكبيرة خرج من الإيمان. لي معتزليت اون دي celui qui fait un grand péché il est sorti de la foi ولم يدخل في الكفر mais il n'est pas rentré dans le coffre فهو في منزلة بين المنزلتين. Il est dans une situation entre deux situations. Je connaissais exactement cette phrase mais j'ai oublié comment on dit. Ils disent il est dans un état comme ça, un degré entre deux degrés. On peut pas dire il est kafir et on peut pas dire il est croyant. Non. Pourquoi on peut pas dire il est croyant? Car il a fait un grand péché. Yizni wa yisriq wa yishrab al-khamr. Et on dit c'est un croyant. Ils ont dit on le laisse au milieu. Et ils ont donné un exemple, ils ont dit comme quelqu'un par exemple qui va de Paris à Marseille. Non. Quand il arrive au milieu entre Paris et Marseille, on peut pas dire que celui-là il est à Paris car il a quitté Paris, il est loin de 200 km. Et on peut pas dire qu'il est à Marseille car il reste 200 ou 300 km pour arriver à Marseille. Où est-il? Il est au milieu. Comme ça disent les Mu'tazilites. Ils disent le musulman qui fait un grand péché, il n'est ni kafir ni musulman. On peut pas dire il y a kafir, on peut pas dire au musulman. Il est juste au milieu. Mais s'il meurt, bien sûr, il ne fait pas la tauba, il va rentrer, comme vous le savez, éternellement en enfer. Non. طيب الشيخ عليه رحمة الله دي سي يدي الشيخ عليه رحمة الله الشيخ ابن عثيمين إلى دي حقيقة أنهم إذا قالوا إن هذا لا يتساوى مع مؤمن عابد فقد صدقوا عفوا إلى دي en ce sens s'ils veulent dire par là que celui qui fait de grands péchés ne peut pas être à pied d'égalité avec le croyant le pieux, là ils ont raison. نعم صح إذن ريزون. لكن كونهم يخرجونه من الإيمان ثم يحدثون منزلة بين منزلتين بدعة ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مي regardez bien ce que dit le cheikh. Mais le fait de dire que celui qui fait un grand péché est au milieu, c'est-à-dire ni croyant ni kafir, il a dit ça c'est vraiment une innovation, une grande bida. Non, c'est la bida de qui? Des Mu'tazila. De dire que celui qui fait le grand péché est au milieu. Il sort de la foi et il n'est pas kafir. Qui est-il? Puisqu'il est sorti de la foi, comment il n'est pas kafir? Ils ont dit non, il n'est pas kafir. Il est au milieu. Ni kafir, ni croyant. Ils ont dit il est au milieu. Et Cheikh dit, rahimahullah, et Al-Sunna disent c'est là une grande bida de dire que quelqu'un est au milieu. Car en fait, il n'y a pas de milieu. Il y a kafir et il y a mu'min. Allah Ta'ala dit dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَمَاذَا بَعْدُ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il sinon l'égarement? Vous avez remarqué? Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il sinon l'égarement? Il y a vérité, il y a égarement. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Saba 24. C'est nous ou bien vous qui sommes, allez, c'est nous qui sommes ou bien vous, sur une bonne voie ou dans un égarement manifeste. Le prophète Aslam, Allah Ta'ala lui a dit de dire ça au kuffar. Dis-leur, c'est nous ou bien c'est vous qui sommes sur une bonne voie ou bien dans un égarement manifeste. Il n'y a pas de milieu. Naam. Allah Ta'ala a dit هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Tarabun 2. Allah Ta'ala dit, c'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a quoi? Il y a le mécréant, il y a le croyant. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Donc, où est Aïna al-manzilatu bayna al-manzilati? Où est le degré entre les deux degrés, comme disent les Mu'tazila? Où est le milieu? Ils disent ni kafir ni musulman. Alors, vous avez entendu avec moi que Allah Ta'ala a dit, il y a musulman, croyant et il y a kafir. Il a dit, il n'y a pas de milieu. طيب
Je voudrais juste ici attirer une petite attention, Naam, et ce qui est très important aussi pour ne pas perdre la voix et s'égarer aussi, et faire des bid'a aussi, Naam. Voilà. Al-Sunna sont tout milieu, alhamdoulilah. On remercie Allah Azzawajal qui nous a aidés et a fait de nous le juste milieu, Naam. Ni extrémiste tout à fait à gauche, ni extrémiste tout à fait à droite, Naam, juste au milieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour le croyant, le musulman qui fait le grand péché, qui fait la zina et boit de l'alcool et la drogue, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent comme les Khawarij et les Kafir? Ou bien est-ce qu'ils disent comme les Mu'tazila, il est au milieu, ni croyant ni Kafir? Qu'est-ce qu'ils disent? Ahl Sunnah wal Jama'a disent: نسمي المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا هو العدل، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب منه مطلق الاسم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Regardez ce que dit Cheikh رحمه الله. Il dit: celui qui fait le grand péché, نعم, comme il boit de l'alcool, etc., qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit mu'minun bi'imani. Cette personne est une croyante à cause de la foi qu'elle a. Là, la foi, cette personne. Une croyante, c'est un croyant, je le connais. Il fait la prière, il fait ceci, il est parti au Hajj, il fait le jeûne, c'est un croyant, Naam. Mais il est pervers à cause du grand péché qu'il vient de faire. Vous avez remarqué? Al-Sunna al-Jama'a peuvent joindre entre les deux. D'un côté, c'est un croyant, à cause de la foi qu'il a. Subhanallah al-Azim. J'ai des vues entre plusieurs fois, en train de faire la prière, en train de lire le Coran, en train de faire l'aumône. C'est un croyant, avec la foi qu'il a, et pervers, à cause de l'alcool qu'il vient de boire, la zina qu'il vient de faire, le vol qu'il vient de voler, la drogue qu'il vient de fumer, et comme ça. C'est un pervers. Et ils disent aussi, c'est un croyant ناقص الإيمان dont la foi est faible. نعم. Car le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, tout le monde connaît le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? الإيمان بضع وستون الشعبة. Dans une autre version, بضع وسبعون. Il a dit, la foi c'est 70 et quelques branches. Dans un autre hadith, 60 et quelques branches. أعلاها, le plus haut, que tu dises لا إله إلا الله. Le plus bas, le plus bas, c'est quoi? C'est que tu enlèves quelque chose qui gêne dans la rue, une peau de banane, ou là, quelque chose qui fait glisser les gens. Naam. Ou le haya'u shu'batun al-iman. Et la pudeur est une des branches de la foi. Donc vous avez remarqué, il y a, pour être parfait comme un messager, il faut avoir les 70 branches et quelques. 70 ou 72. À peu près, le messager d'Allah n'a pas montré exactement combien. Bid'a, c'est bon. On dit bid'a, c'est entre 3 et 7, ou 3 et 9. Donc, pour avoir la foi parfaite, il faut avoir les 70 branches et quelques. Sinon, Naam, tu as la foi, mais c'est proportionnel. Moi, peut-être, j'ai 10 branches des 70. L'autre, peut-être mon père, il a peut-être 15. Ici, le roi rabbin, peut-être il a 17. Hadjot Hada, il a 19. Et comme ça, l'autre, il a 30. Jusqu'à ce qu'on arrive au messager d'Allah qui a la perfection de la foi et la foi parfaite. Ensuite, cette foi, elle grandit et elle faiblit. Masha'Allah, tu écoutes un dars, tu vas à la Umrah, tu sens que tu as atteint peut-être les 50 branches. Tu commences à écouter la musique, à ne plus fréquenter que ceux qui sont loin du din, à passer tes journées à rire et à plaisanter, tu sens que tu n'as que 3 branches ou 4 dans ton cœur. Et comme ça, jusqu'à ce qu'il est possible, a'oudou billah, que la personne perde toutes les branches et qu'elle aille de l'autre côté et qu'elle dise je ne crois plus en cet islam et elle commence à insulter Allah et comme ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, l'afiyah. Donc, iman hada, chez Al-Sunna al-Jama'a, la foi, augmente et diminue. Et Allah Azza wa Jal, t'a donné quoi? T'a donné cette faveur
de pouvoir la faire augmenter et aussi de la faire redescendre comme tu veux. Et bien sûr, tu la fais augmenter en faisant ce que Allah Ta'ala aime. Et tu la fais diminuer en délaissant ce que Allah Azza wa Jal aime et en faisant ce qu'il n'aime pas, en faisant ce qu'il déteste. Pour résumer, je dirais, à chaque fois que tu fais un bienfait, une chose que Allah Ta'ala aime, Allah Ta'ala va quoi? Va te récompenser en t'ajoutant cette foi et en te la faisant grandir. Et à chaque fois que tu fais quelque chose que Allah Azza wa Jal déteste, à chaque fois que tu sens que ta foi baisse, l'âme, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à faire augmenter notre foi, car c'est lui, l'âme, qui détient tout cela, bidna azza wa jal, l'âme. Il est le temps, inshallah ta'ala, de passer aux questions. Ce n'est pas la peine de vous dire, inshallah ta'ala, que dans la aqida, je n'accepte que les questions qui sont dans la aqida ou bien dans le minhaj. L'âme, quand on a cours dans la aqida, posez les questions. Dans la aqida ou bien dans le minhaj. Naam. Et quand c'est l'autre jour, inshallah ta'ala, du fiqh, poser des questions générales, bi'idhnillah azza wa jal. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 2 minutes ou 3, pas plus. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mettez le Coran, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Hayyakum Allah jami'an. On commence bi'idhnillahi azza wa jal. On commence bi'idhnillahi azza wa jal. Tayyib. C'est à qui, inshallah ta'ala, le tour. Tfadlou, je vous donne le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a du son, inshallah. Non, donc c'est autour de Ansariyatun, Salafia. Je ne sais pas si elle est là, inshallah. Non, levez la main, inshallah. Lorsqu'on vous appelle, inshallah, au mic. Levez la main pour qu'on vous retrouve. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikhana. Hafizakum Allah. Voici ma question. Lors des précédents dars sur la aqida, une question vous a été posée concernant la durée pendant laquelle le croyant et le non-croyant resteraient dans la tombe. Vous aviez dit que la durée du croyant dans sa tombe serait l'équivalent du temps qu'il y a entre le dhuhr et l'asr. J'aimerais avoir une confirmation de ceci. Et avoir également une source qui me permettrait de trouver le dalil. Ahsan Allahu ilaykum, Cheikh, qu'Allah vous préserve et que la bénédiction d'Allah soit sur votre épouse. Allahumma amin. Alayha salam. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je fais saut. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Naam. Je dis à porte Ansariyatun Salafiyya, inshallah ta'ala. Naam. De me donner, inshallah ta'ala, un peu de temps pour lui dire où ça se trouve ce que j'ai dit, inshallah ta'ala. Naam. Mais ce dont je suis sûr, inshallah ta'ala, ce dont je suis sûr, naam, c'est que la durée qui est entre al-dhuhr wa al-asr exactement, naam, c'est yom al-qiyama. Naam. Car il y a un hadith, celui-là vous pouvez le trouver dans le Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani. Sahih Jama, si vous voulez, inshallah ta'ala, la prochaine fois, si vous voulez, je vous donne son numéro. Naam, ce hadith dit que Yom al-Qiyama ala al-Mu'minin ka qadr ma bayn al-Dhuhr wa al-Asr. Il dit que le jour du jugement dernier pour les croyants, ça sera comme entre le Dhuhr et le Asr. D'ailleurs, attendez une seconde, je vais vous donner le hadith, inshallah ta'ala, son numéro. Second, inshallah ta'ala. Naam. Taïb. Le hadith dit, se trouve dans, attendez, naam, dans Sahih al-Jami'a, hadith numéro 8193, écrivez-le au rabat, 8193, Sahih al-Jami'a, où le messager d'Allah a dit, يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر, ما بين الظهر والعصر. Reste pour la tombe, inshallah ta'ala, la prochaine fois, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y a, c'est le dhuhr ou l'asr ou l'asr ou le maghreb, naam, car c'est un hadith que j'ai dit, je me rappelle, ça fait au moins 2 années. Et barakallahu fik pour le salam à mon épouse. Naam, fadlan inshallah ta'ala, prochain. Naam, donc là c'est Aïssa. Par contre, Aïssa, tu m'as dit si c'est sur le cours, il y en a, c'est soit sur
le cours ou la aqida en général. Donc, est-ce que tu as une question ou là on passe ton cours? Akhi Aïssa, est-ce que tu es là, Inch'Allah? Si tu n'as pas de question, on passe au suivant, Inch'Allah. Donc, on passe à Mohamed Ibn Idris, Inch'Allah. Est-ce qu'il est là? Mohamed Ibn Idris. Non, je ne le vois pas dans la room. Après, c'est Ibn Abu Bakr. Ibn Abu Bakr. Si vous êtes là, levez la main, Inch'Allah. Ah, Mohamed. Tfadal, Mohamed. Mohamed, on vous en reverrait, Inch'Allah. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous demandions comment se fait-il que nous avons toujours du mal à poser des questions concernant la aqida. Et quand il s'agit de fiqh, cela nous est plus facile. N'est-ce pas Shaitan qui nous fait croire qu'on a une bonne aqida? Tfadal Sheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour l'autre sœur qui vient de m'envoyer le salam à mon épouse, je lui dis alayki wa alayhi salam. Autre chose, Inch'Allah ta'ala aussi, j'ai décidé que depuis que je suis ici en Algérie, que je réponds aux questions, j'ai décidé, en ce qui concerne les questions et les cours, d'une chose ou de deux choses, Inch'Allah ta'ala. La première, j'ai décidé, Inch'Allah ta'ala, que je ferai le maximum pour que mes cours ne dépendent, le cours lui-même, pas les questions-réponses, car le cours est divisé en cours et questions-réponses. Le cours lui-même, je ferai tout mon possible pour qu'il ne dépasse pas une heure. Ensuite, les questions-réponses, pour qu'elles ne dépassent pas, elles aussi, une heure. Car vous, ceux qui sont anciens avec moi, savent que je faisais des cours avec questions-réponses qui duraient jusqu'à 3 et 4 heures et 5 heures, des fois jusqu'à Salat al-Fajr. Naam. Maintenant, vous savez que je suis un peu malade et que, naam, je ne peux plus et que, naam, je ne peux plus dépasser les 2 heures. En ce qui concerne les questions, j'ai aussi changé un peu la méthode, c'est quoi? J'essaie de répondre très vite. Naam, en donnant comme son le délil très vite. Chefakumullah, barakallahu fikum. Naam, vous savez que moi, des fois, pour répondre à une question, je reste un quart d'heure jusqu'à 20 minutes en train de tourner. Naam, maintenant, Inch'Allah ta'ala, je vais aller vite. Je réponds vite, Inch'Allah ta'ala, et naam, j'essaie de donner le délil comme ça très vite. Inch'Allah ta'ala. Naam. Et aussi, ça permettra aux autres de poser leurs questions. Si je reste une demi-heure avec une personne, en une demi-heure, j'aurais pu répondre à 5 ou 6 personnes. Donc, même pour les autres personnes, c'est mieux, Inch'Allah. Celui qui veut les délits avec plus de délits, etc., il me contacte, Inch'Allah ta'ala, quand je donnerai mon numéro de téléphone, Bidna Azzawajal. Je vais répondre à ce frère, Inch'Allah ta'ala. N'oubliez pas qu'il y a un frère dans le iChat qui veut poser aussi sa question, Inch'Allah ta'ala, le frère Hassan. Naam. Quand on ne pose pas beaucoup de questions dans la aqida, ça veut dire une de des choses. Ou bien le shaitan nous fait croire que c'est très difficile, etc. Ou là, le shaitan nous fait croire que khlas, on connaît la aqida. Ou bien, la troisième des choses, c'est que on n'est pas très intéressé par la aqida. Et quand on n'est pas très intéressé par la aqida, ça veut dire tout simplement on n'est pas un bon salafi. Je ne veux pas faire souffrir les gens de la salafi, ce n'est pas de mon ressort. Mais quand on ne donne pas beaucoup d'impôts sur la aqida, ça veut dire que le moins qu'on puisse dire, on n'est pas un bon salafi. Naam. Tafadhal, prochaine question, Inch'Allah. Naam, on va poser la question de Hassan, Inch'Allah. Salam alaykoum. Beaucoup de personnes écoutent Cheikh Mohamed Hossein Yaqoub. Est-il dans le bon minhaj? Barakallahu fikoum. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour être franc avec vous, je ne le connais pas bien. Je sais que ce n'est pas lui un délit dans le minhaj. Quand quelqu'un a une question dans la salafia ou là dans le minhaj, c'est pas à lui qu'il faut poser des questions. Lui, c'est quelqu'un
qui vient comme ça faire ce qu'on appelle l'ouaz, en train de parler, la salat, il faut faire la salat, il faut aller au hadith, il faut ceci, il faut cela. Mais je ne le connais pas très bien et il n'est pas un savant dans le minhaj. Naam. Tfadla, inshallah, le prochain. Non, Ibn Abu Bakr, c'est à vous, inshallah. Ibn Abu Bakr, est-ce que vous êtes là? Il y a du son, inshallah. Salam alaikum, cher. Nous avons beaucoup d'expressions dans notre langage, comme j'ai ou j'ai pas beaucoup de chance. Est-ce qu'on peut les utiliser? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, on a dans notre langage beaucoup de mots qui, beaucoup d'eux ne sont pas valables et d'autres qui comprennent beaucoup de sens. Et dans ce cas-là, cela dépendra du sens qu'on donne à ce mot. Naam. Il y a des mots qui ne sont pas valables du tout. Naam. Et il y a d'autres qui sont possibles, mais d'après le sens qu'on donne. Naam. Ici, par exemple, la chance, si quelqu'un dit X a de la chance ou n'a pas de la chance, que veut-il dire par chance? Il veut dire que c'est venu comme ça. C'est ça la chance. C'est venu comme ça. Naam. Et il a gagné, il a eu un enfant, il a eu une fille, il a eu cela, il a eu le bac. C'est une question de chance. Naam. Ça risque de rentrer dans le coffre. Mais s'il veut dire par chance, il a cette faveur que Allah Ta'ala lui a donnée. Al-Hazz, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim. Comme il a dit aussi, wa innahu la dhu hazzin azim ou kabir. Naam. Wa innahu la dhu hazzin azim. Dans ce cas, s'il veut dire que il a eu la faveur d'Allah Azza wa Jalla, il a eu le hadd min indillah Azza wa Jalla, dans ce cas c'est valable. C'est à peu près comme quoi, comme le fait de dire le hasard X, hein, on dit je l'ai rencontré par hasard, je marchais dans la rue, je l'ai rencontré par hasard. Qu'est-ce que tu veux dire par hasard? C'était pas écrit il y a 50 000 ans avant d'être créé, que Allah Ta'ala n'avait pas écrit que tu allais le rencontrer. S'il dit Naam, ce n'est pas écrit, c'est venu par hasard, il est devenu kafir. Mais s'il dit que yani, pour moi c'était un hasard, je n'avais pas prévu de le rencontrer, je n'avais pas prévu, c'est venu par hasard de ma part, c'était pas prévu. Naam, là on lui dit c'est possible, comme dans les hadiths authentiques que le messager d'Allah a dit, par exemple si quelqu'un Naam, il fait après vers la fin de la matinée de la Jumu'ah, Naam, s'il rencontre, il a dit Yusadif. Yusadif, c'est-à-dire il rencontre comme ça par hasard. Yusadif, l'heure où Allah Ta'ala exauce les souhaits, il sera exaucé. Naam. Comme dans le hadith de Muslim, il a dit Fasadafna, dans l'histoire de Jurayj, il a dit Fasadafna Bahran Ha'ilan. On a rencontré, yani c'était par hasard, une mer violente. Naam. Sinon, c'est interdit. Fadlan, inshallah, le prochain. Naam, Faouzan Sak. Inshallah, c'est à vous. Faouzan. Vous avez plus le raid, inshallah, Faouzan. Naam, Al-Ghulama, on a posé la question de Ichatar. C'était la question sur le cheikh. Vous l'avez envoyé un admin ou sur la room? Car sur la room, elle ne s'est pas affichée. Elle est certainement trop longue. Soit vous la coupez, ou soit vous la posez. Vous la passez à un admin directement. Ça ira plus vite, Inch'Allah. Faites un copier-coller en PV. Je vous ai ouvert le PV, Inch'Allah. Après, c'est au tour de Abdelali. Je ne sais pas si elle est là. Inch'Allah, levez la main si vous êtes là. Posez la question, Inch'Allah, si elle est déjà prête. Yanni, pour éviter de perdre du temps. Je vous ai enlevé la raid. Salam alaikum, Yashir. Mon mari aimerait avoir une conversation privée, est-ce possible et comment? Barakallahu fikoum. Ma question est, pouvez-vous résumer quelles sont les déviances des murji'a afin de les reconnaître et les éviter, Inch'Allah? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aussi dans les mots qui ont deux sens et qui
qui sont corrects ou incorrects d'après leurs utilisations. Par exemple, le verbe adorer. Adorer. Non? Beaucoup de gens, par exemple, dire j'adore par exemple les bananes. Qui dit par exemple j'adore le manège. L'autre qui dit j'adore le cheval. Et comme ça. Non. Cela dépend aussi du sens. Est-ce qu'il veut dire qu'il l'adore, il le vénère, non? Et il fait des ablutions et il va se plier devant lui. Ou bien il dit qu'il l'aime beaucoup, il aime beaucoup monter le cheval, il aime beaucoup manger les bananes, il aime comme ça. C'est d'après le sens, nam, et on dira c'est valable le mot adoré dans ta phrase ou bien il n'est pas valable. Nam. Pour le privé, inshallah ta'ala, très bientôt. Nam, très bientôt, inshallah ta'ala, je vais vous donner un numéro de téléphone. Comme ça, inshallah, vous me contacterez en direct, bi'idhnillahi azza wa jal. En ce qui concerne les mourdis, nam, il faut connaître que, en général, un mourdi, c'est quelqu'un qui dit que les actes n'ont pas beaucoup d'importance avec la foi. Que ce soit les bons actes ou les mauvais. Il dit que ça n'a pas beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que pour un mourdi, la foi, c'est seulement au niveau du cœur, ou bien au niveau de la langue, ou bien au niveau du cœur et de la langue, c'est tout. Si c'est au niveau du cœur, c'est tout, ça devient comme un djihmite. C'est pourquoi les djihmites sont des mourdites, non, ou bien ash'arites, non, parce que pour les djihmites, c'est dans le cœur, c'est seulement connaître que Allah Ta'ala existe. Pour les ash'arites, c'est seulement attester, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala existe. Donc les ash'arites et les djihmites sont des mourdites, ou bien c'est seulement avec la langue. Le fait de dire Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammad Abdur Rasulullah, ça suffit, sans voir le cœur. Ça, ce sont des karamites, ce sont aussi des mourdites. Ou bien, il dit c'est seulement le cœur et la langue. J'atteste dans mon cœur et je dis avec ma langue, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et ça, c'est qui? C'est les mourdites. Ah, c'est des vrais mourdites. Mais Al-Sunnah ou Al-Jama'a, il faut qu'ils disent, c'est dans le cœur. C'est sur la langue et c'est avec les actes. Inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatu al-firdaws nuzula. Qui? Alladhina amanu wa amilu salihat. Il faut que tu crois et que tu fasses les bonnes actions. Non, c'est pour devenir un vrai musulman bi'idhnillah azza wa jalla. Tafadhal le prochain. Non, justement les gens qui ont traité Cheikh Al-Albani de mourdite. Pourquoi ils ont dit cela? Parce que ce sont des ignares. Ce sont les plus grands djuhal que l'histoire ait connu. Les plus grands djuhal que qui? Que le monde ait connu. Parce que ces personnes-là, ou bien ne connaissent pas c'est quoi l'irja, il est maudit, ou bien ne connaissent pas bien Cheikh Al-Albani rahimahullah, ou bien ne connaissent pas les deux, ni c'est quoi l'irja, ni Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et c'est à cet avis que je pense. Non. Ceux qui disent de Cheikh Al-Albani c'est un maudit ne connaissent ni Cheikh Al-Albani, n'ont jamais lu ses livres, ni c'est quoi l'irja. Tfadhal inshallah. Non, donc on revient à Fawzan. S'il a fini pour de rédiger sa question, inshallah. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Al-Najashi, alors qu'il ne faisait pas salat, une chouïre d'Arabie disent que celui qui ne fait pas salat est kafir et ne priait pas sur lui. Salam alaykoum, je voudrais savoir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur Al-Najashi alors qu'il ne faisait pas salat, et nos chouïrs d'Arabie disent qu'il ne faut pas faire la salat sur une personne qui ne prie pas. Tafadhal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, Najashi, qui était le roi de l'Abyssinie à l'époque, qui s'appelait Habasha, Naam, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah, n'a jamais fait la prière, ni même pas une seule prosternation. Alors que Ja'far radiallahu ta'ala anhu,
lui avait fait la da'wa. Il lui avait dit que Allah Ta'ala nous a envoyé un messager qui nous dit de faire la salat, de faire le bon voisinage, de ne pas faire le shirk, et ceci. Mais malgré cela, quand il est mort, le Najashi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a fait venir des compagnons, les a groupés, et leur a dit, le hadith est dans Sahih al-Bukhari, aujourd'hui, votre frère, et dans une autre version, Rajulun Salih, un homme pieux ou de bienfaisant, est mort aujourd'hui. Et bien sûr, il n'y a personne qui fait la prière là-bas sur lui. Ils ont fait la prière sur lui. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que celui qui ne fait pas la prière en reconnaissant que la prière existe et il ne l'a pas faite, les savants ont divergé sur lui. Les quatre grands imams, Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i et Ahmed, dans la deuxième version qui se trouve dans son livre Mourni, on dit qu'il est musulman. Vous avez entendu? Les quatre grands imams, Imam Abu Hanifa, rahimahullah, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmed, dans la deuxième version, on dit celui qui ne fait pas la prière en reconnaissant qu'il y a la prière, mais par paresse, par demain, inshallah, quand je me marie, quand je vais au Hajj, quand ceci, quand cela, ils disent c'est un musulman. Donc, si on prend cet avis, la réponse est claire. Najashi, était musulman et le fait de ne pas faire la prière ne le rend pas kafir d'après l'avis des quatre grands imams que je viens de citer. Reste autre chose à dire. Deuxième réponse, c'est de dire que la wajib, comme dit la règle, laysa wajibun bil aqtidar wa la muharramun ma'a al-dhirar. Quand quelqu'un veut faire la prière et il ne peut pas, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens, il se peut qu'Allah Ta'ala lui pardonne, parce que cette personne ne savait pas que on peut la faire en étant assis, on peut la faire en cachette, cette personne n'a pas pu la faire à cause des gens, son entourage qui ne le laissait pas faire la prière. Donc il est possible que ça soit quoi? Que ça soit une raison valable. Wallahu azza wa jal a'lam. Tafadhal. Par rapport aux chouyour et à tous les savants de l'Arabie Saoudite, vous savez que eux, ils prennent de l'avis qui dit qu'il est kafir. Ils prennent de l'avis qui disent que celui qui ne fait pas la prière, il est kafir. Et ils disent par rapport à Najashi qu'on vient de citer, ils disent que que c'est quelqu'un, celui-là, c'est une exception parce que il ne savait pas que il fallait la faire dans tous les cas. Celui-là, il est excusé car il vivait loin, loin en Abyssinie et il ne savait pas il faut la faire dans tous les cas, même si on ne peut pas, on la fait assis, on la fait en dormant, on la fait avec les yeux, on la fait avec le cœur. Comme ça, il est excusé à cause de son ignorance. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal le prochain. Donc là, Inch'Allah, c'est Abu Marwan. Abu Marwan. Est-ce que tu es là, Inch'Allah? Non, Abu Marwan. Inch'Allah, tafadhal, si tu vas poser à l'écrit ou au mic, Inch'Allah, akhi. Abu Marwan. D'accord. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. La question, tu la poses au micro ou à l'écrit? Micro. تفضل أخي. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. Vous m'entendez, Inch'Allah? Cheikh, vous m'entendez? Cheikh, est-ce que vous m'entendez? بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك, Cheikh. Ben, premièrement, je voulais vous dire que vous m'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué. Puisque la dernière fois que je vous ai entendu, c'était avant le Ramadan. Et je ne suis pas venu sur le Paltalk pendant toute cette période. Et j'ai beaucoup pensé à vous, Alhamdoulilah. Et je suis très content que vous soyez de retour sur le Paltalk avec vos cours qui sont très très bénéfiques. Et Inch'Allah, à propos de la question, avant de vous poser la question, je vous demande une chose. Par rapport aux cours que vous avez faits ce soir et par rapport aux questions qui vous ont été posées, je vous demande le choix si vous, bimana par politesse,
soit je vous donne deux enseignements en langue française qui vous seront utiles pour confirmer ce que vous avez dit, ou soit je vous pose une question. Soit deux faïdas qui concernent votre cours, ou soit je pose une question et vous répondez à ma question. Dites-moi, cher, parce que c'est très très important la faïda sur les deux questions qu'on vous a posées à propos de Cheikh Albani rahimahullah et sur ce que vous nous avez donné dans le cours sur l'oiseau. Il a une aile, c'est la taqwa, une aile, c'est l'espoir. Je donne les faïdas et je ne pose pas la question. Alors la première faïda, inshallah, c'est que moi, quand j'avais appris la aqida avec un frère, inshallah, qui hamdoulilah, il a beaucoup étudié, il m'avait expliqué la chose suivante, que en islam il y a les piliers de l'adoration qui se divisent en trois: l'amour, la crainte et l'espoir. L'amour, la crainte et l'espoir. Et quand j'ai écouté votre cours, vous avez fait la comparaison que les salafs qui disaient que c'est comme l'oiseau, une aile c'est la crainte et une aile c'est l'espoir. Alors moi, dans ma tête, ça m'a un peu trotté. Je me suis pris la tête. J'ai dit, mais où est passé l'amour? Alors pendant votre cours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé mon casque. J'ai téléphoné au frère. Je lui ai dit, Ahi, pendant quand on avait appris, tu nous avais dit l'amour, la crainte et l'espoir. Et en ce moment, Cheikh Tchalabi, il donne un cours et il nous dit l'amour et l'espoir, la crainte et l'espoir. Où est passé l'amour? Et le frère, mashallah, il m'a donné cet enseignement. Il m'a dit qu'en vérité, pourquoi Cheikh Tchalabi, dans son cours, il n'a pas cité l'amour, il a cité que la crainte et que l'espoir, parce que sans l'amour d'Allah Azzawajal, il n'y a pas de crainte, et sans l'amour d'Allah Azzawajal, il n'y a pas d'espoir. Ça, c'est la première faïda. Balek, certains frères et certaines sœurs, ils vont lire un livre, ils vont tomber sur l'amour, la crainte et l'espoir, et ils vont pas comprendre pourquoi vous n'avez cité que la crainte et que l'espoir. Et quant à la deuxième faïda, quand la sœur, elle vous a demandé à propos des mourjis, et vous lui avez expliqué la croyance, la parole, etc. Cheikh Albani, rahimahullah, il dit cette phrase qui a été très bien traduite, qui est excellente. Je vous fais un copier-coller. La croyance est dans le cœur, elle s'affirme par la parole et elle se confirme par l'action. Je ne sais pas si la sœur Oum Abdel Ali, je crois que c'était son pseudo, si elle peut noter cette phrase, inshallah, et l'apprendre par cœur. La croyance, elle est dans le cœur, elle s'affirme par la parole et elle se confirme par l'action. Donc les gens de Ahlul Sunnati wal Jama'a, ils ne séparent jamais ces trois choses: le contenu du cœur, ce qu'on affirme avec notre parole, et on confirme tout cela avec nos actions. Voilà, c'était les deux faïdas, cher. Et donc, je pose pas la question, alhamdoulilah, et je laisse la place aux autres. Barakallahu fikum, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ مروان، صافي لونتون ما انت با انتوندو، جزاك الله خيرا. Faut dire qu'aujourd'hui, quand j'étais en train de me préparer pour faire ce cours, quand je suis arrivé, Nam, et j'ai parlé de l'aile, des deux ailes, j'ai parlé de la crainte et de l'espoir, je me disais dans mon cœur, je me suis dit dans mon cœur, Nam, peut-être que certains vont dire que pourquoi il n'a pas parlé de l'amour. Mais ce que j'ai pensé dans mon cœur, il s'est passé exactement. Car ce que vous devez savoir aussi, si j'ai parlé des deux aussi, c'est parce qu'aujourd'hui dans ce DAS, il y a deux sectes. L'une qui ne se base que sur la peur et l'autre qui ne se base que sur l'espoir. Et ce sont les extrêmes. Et nous, Inch'Allah Ta'ala, on est au milieu. Et sachez que les savants ont dit, celui qui ne se base, ils ont dit, des gens se divisent en trois. Certains ne se basent que sur la peur. Ceux-là, ce sont des kharijites. Certains ne se basent que sur l'espoir. Ceux-là, ce sont des mourjites. Et certains ne se basent que sur l'amour. Ceux-là, ce sont les zanadira. On dit, Foudan, c'est un zindiq. Place. Il est presque sorti du dîn. Je n'adore Allah que par amour. Naam, comme avec la femme, comment elle s'appelle, on dit que Rabi'a al-Adawiyya disait ceci. Ya Allah, je ne t'adore pas pour ton paradis, ni parce que j'ai peur de ton enfer, mais en toi, parce que je t'aime. Tout cela, bien sûr, c'est faux et ce n'est pas vrai. Et le vrai croyant, celui qui adore Allah Ta'ala avec amour et en même temps peur et espoir,
il faut joindre entre les trois. Il faut qu'il y ait l'amour d'Allah et la crainte et son espoir. S'il n'y a que l'amour, on devient zindiq. S'il n'y a que la crainte, on devient khariji. S'il n'y a que l'espoir, on devient mourji. Tfadl, inshallah. Donc là, c'est Oum Ibrahim, 1976. Oum Ibrahim, 1976. Est-ce que vous êtes là, inshallah? Levez la main si vous êtes dans la room. Oum Ibrahim, 1976. Est-ce que vous êtes là, inshallah? Khair, inshallah. Donc on va passer à la personne suivante. Donc, Oum Mohamed, 67. Non, on vous enlevez le raid, inshallah, Oum Mohamed. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir, la crise financière qui se passe dans le monde pourrait-elle avoir un rapport avec la fin des temps et l'arrivée du Dajjal? Que pensez-vous des gens qui seront encore en terre de kufr à l'arrivée du Masih Dajjal et qu'ils ne puissent plus fuir? Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De toute façon, ce qu'on doit savoir, c'est que la crise financière, c'est un châtiment d'Allah Azzawajal. Châtiment pour ces grands pays qui croient que, classe, ils sont devenus des pharaons. Naam, Allah Ta'ala veut les châtier pour leur argent qui vient du haram et qui va dans le haram. Naam. Leur argent qui est venu des intérêts, de la riba et de l'usure, et qui va dans le haram. Allah Ta'ala veut leur montrer que c'est lui qui commande. Naam, malgré que vous avez tout l'argent du monde, tout l'or du monde, naam, je peux vous faire des problèmes qui vont pas vous laisser dormir la nuit. Naam. Comme a dit Allah Ta'ala, أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Ne voit-il pas que chaque année, je leur fais des épreuves, une fois ou deux fois par an, et ils ne reviennent pas, ils ne font pas la taube. Tout cela sont des épreuves et des châtiments d'Allah Azza wa Jalla. Quant au Masih Dajjal, quand il va venir, naam, ou bien certains vont fuir et ils pourront, naam, naam, ou bien alors il restera une de des choses. Se joindre à lui ou bien le combattre. Et le plus heureux, ce sera celui qui sera avec Isa alayhi salam et pour le combattre. Quant aux juifs et les autres, les innovateurs et les khawarij, ils vont être avec le Messie Dajjal. Car pour les juifs, tout le monde sait qu'ils vont être avec le Messie Dajjal. Les juifs. Mais vous allez dire comment, même les khawarij, ils vont exister en ce temps-là. Ils vont être avec le Messie Dajjal. Je vais dire naam. C'est le contenu d'un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve dans Sahih al-Jama' de l'Albani rahimahullah, où il est dit que al-Khawarij, il parle d'eux, il a dit que à chaque fois qu'ils font pousser une corne, qu'ils sortent comme ça, naam, Allah azza wa jal va yani, comment dirais-je, va couper leur corne, il a dit, jusqu'à ce que leur dernier sortira et sera avec l'armée du Messie Dajjal. Donc les Kharijites, il faudrait que vous l'acceptiez, ils ne vont pas être exterminés. Ils vont vivre jusqu'à la fin du monde, et pire, jusqu'à ce qu'ils viennent avec le Messie Dajjal. Donc, annoncez la bonne nouvelle aux Kharijites quand vous les rencontrez et dites-leur, vous ou bien vos enfants vont venir avec le Messie Dajjal. Vous êtes en train d'apprendre aux gens, hein, de les multiplier, de multiplier leur nombre pour qu'ils deviennent des ennemis de qui? Des ennemis des musulmans et des ennemis de Isa alayhi salam, qui va les exterminer à la fin du monde. Fadla inshallah le prochain. Non, on va passer à la question sur Itchater, Inch'Allah. Oum Hamza, c'est à vous, Inch'Allah. Oum Hamza, si vous m'entendez, Inch'Allah, c'est à vous. Oum Hamza, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? On vous a enlevé le raid sur Itchater. Par contre, Cheikh Afwan,
Les questions, c'est Aqida et Fiqh ou juste Aqida? Là, j'ai la question de la sœur, Inch'Allah, je la lis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, entendez-vous parler des chouyours suivants au Koweït? Et nous conseillez-vous d'écouter leur dourous, Inch'Allah? Cheikh Falah Ismail Mandakar, Cheikh Hamad Al-Othman, Cheikh Salam التاويل شيخ عثمان الخميس شيخ فيصل السعيد y a-t-il des savants au Koweït جزاكم الله خيرا وحياكم الله تفضل شيخ وعليكم السلام ورحمة الله في صوت الحمد لله tout à l'heure un frère tout à l'heure ça fait 5 ou 10 minutes je l'ai oublié il m'a dit أحبك في الله je vous aime mon Dieu J'ai oublié de lui dire Ahabbak alladhi ahbabtani lahu. Et la même chose pour le frère qui vient de m'envoyer maintenant le message, Timia 93, je lui dis Ahabbak alladhi ahbabtani lahu. Quant à la sœur, je lui réponds que les noms qu'elle vient de citer, surtout les deux premiers noms, à savoir Falah Ismail Montakar et Salem Tawil, que ce sont les. Elle a cité aussi le troisième. Elle a cité aussi Hamad Al-Othman, ces trois bidnallah Azza wa Jal, les trois premiers, sont là-bas, on peut dire, si je puis dire, les savants de là-bas, du Koweït, c'est-à-dire du Minhaj, le CMA dans le Minhaj Salafi. Ce sont, si je puis dire, les têtes du Minhaj Salafi au Koweït, bidnallah Azza wa Jal, et en quatrième position, le frère, bien sûr, Othman Al-Khamis, qui est aussi. سلف يحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحدا ils sont classés comme je viens de les citer maintenant بإذن الله عز وجل نعم ce sont là-bas des مراجع c'est-à-dire quand quelqu'un a une question ou là au Koweït c'est vers cela qu'il revient بإذن الله عز وجل et les deux premiers c'est-à-dire Falah Ismail Mondakar et Hamad Othman ce sont deux docteurs dans la charia et ils enseignent à la faculté du Koweït et Salem Tawil c'est un élève très connu de Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah Wallahu ta'ala alam tafadhal Naam donc là on a Sonia inshallah Sonia inshallah Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh pour la personne qui m'envoie le PV C'est pas qu'on te met de côté, Afi, c'est qu'on a déjà la liste. On a dû fermer la room en début de cours. On a une liste des personnes qui levaient la main en début de cours. Donc là, on suit la liste. Donc les personnes qui lèvent la main maintenant, désolé, mais on ne posera pas la question, Inch'Allah. On a déjà la liste. Salam alaikum wa rahmatullah, Shir. Je suis une mère divorcée, je me débrouille seule. Jusque-là, avec les aides de l'État, alhamdoulilah, pour vivre avec mon bébé. Dans 6 mois, je n'aurai plus de ressources et je serai donc obligé de travailler, ce qui implique plus de djilbad ni de salat à l'heure, et je devrais mettre mon bébé en crèche. Il y a quelques mois, j'ai fait la connaissance d'une sœur mariée, mashallah, qui souhaiterait que je devienne sa co-épouse. Moi, je suis éventuellement d'accord, d'autant que, alhamdoulilah, le frère accepte mon enfant. Mais le problème, c'est que ce frère n'est pas du tout minhaj salafi. Il ne suit pas les courants en particulier, et mashallah, il pratique de plus en plus sérieusement les obligations religieuses. Que me conseillez-vous de faire, cheikh? Fadr cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il ne reste pas beaucoup de temps, on va terminer. Je voulais seulement dire que pour muslim, alhamdoulilah, que son micro est vraiment mauvais aujourd'hui, ou bien le son. On entend tout juste, on arrive à discerner les mots. Et ce qui est mauvais pour. Je sais, c'est pas ta faute. Ce qui est mauvais pour l'enregistrement. Je conseille à cette sœur, Inch'Allah ta'ala, de faire salat istikhara et de se marier avec ce frère. Pourquoi? Parce que d'un côté, si elle va pas se marier, il y a tous les mafasides, tous les mots, etc., qui vont venir. Plus de salat à l'heure, pas de djilbab, le travail, les hommes, la mixité.
Et d'un autre côté, il y a quoi? Il y a cet homme qui, s'il n'est pas du minhaj, alhamdoulilah, il n'est pas contre le minhaj. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui n'est pas du minhaj et qui n'est pas contre. Entre quelqu'un qui n'est pas du minhaj et qui est contre le minhaj. Faut faire la grande différence entre les deux. Celui-là, elle dit, il n'est pas du minhaj, mais il n'est pas contre. Tant qu'il n'est pas contre, alhamdoulilah, il n'y a pas mieux que lui. Est-ce que tu as trouvé mieux que lui? Tu n'as pas trouvé. Donc, tu tiens en celui-là, inshallah, tu fais salat istikhara, et inshallah ta'ala, tawakkali ala Allah, subhanahu wa ta'ala. Car comme dit Ibn Taymiyyah, dans une règle en or, il dit, la yunkaru, attendez, je cherche la phrase comme ça, la yunkaru nuru, ou la yunkaru nuru ma'a dhulmatin, inda adami wujudi nuri safi, ou nuri mahd. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit la lumière, une lumière qui en même temps a un peu d'obscurité, naam, c'est-à-dire est mieux que yani, si est mieux ou l'a été accepté quand il n'y a pas quoi, il n'y a pas de lumière à 100%. Je vous l'ai expliqué une fois, je vous ai dit, par exemple, si on vous coupait toute l'électricité dans la maison, on va vous dire, on va vous laisser juste une veilleuse dans une chambre, ou bien choisissez, on enlève tout, il n'y a rien, ni veilleuse ni rien. Celui qui n'est pas fou, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, d'accord, j'accepte, laissez-moi au moins une veilleuse. Et celui qui dit non, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence qu'il y ait une veilleuse ou bien toute l'obscurité, c'est la même chose. Celui-là, c'est quelqu'un qui est fou. On l'emmène à l'hôpital et on lui achète des médicaments, on lui fait la ruqya. Pourquoi? Parce que je viens de dire que quand il n'y a pas, la règle dit, quand il n'y a pas la lumière totale, yani on doit accepter une lumière entachée d'obscurité. On doit accepter une lumière entachée d'obscurité. Naam, c'est ici la même chose. Il n'y a pas le salafi, le vrai, mais il y a quelqu'un qui n'est pas contre le salafi. Je préfère accepter celui-là que celui qui est contre. Naam. Wallahu subhanahu azza wa jal a'lam. Il est 23h chez moi. Naam. Je n'ai pas encore dîné. Je dois vous laisser. Inch'Allah ta'ala. Maintenant, il y a une dernière sœur qui lève le doigt, qui lève la main. On ne va pas la laisser comme ça avec la main tendue. Je donne directement la parole. L'occasion à Amir al-Andalus, tafaddali. Tayyib. Maintenant, Wissam a levé la main. Wissam pose la main, inshallah ta'ala, on termine. Afwan, je voulais dire Wissam pose la question, j'ai dit Wissam pose la main. Non. Je voulais dire Wissam pose la question, j'ai dit Wissam pose la main. Faut dépose ta question, sera la dernière, inshallah. Non, est-ce que le son il est mieux, inshallah? Je sais pas, j'étais en train de toucher au micro et Annie, on m'a dit c'est la radio qui est passée ou je sais pas ce qui s'est passé. Khair, inshallah. Est-ce que le son il est bon, inshallah? Alhamdulillah. Salamu alaykum. Est-ce que le livre de l'imam Malik, El Muatta, est aussi authentique que les deux Sahihin? Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je dis à Abdullah 15, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Hayyak Allah. Allah Azza wa Jal te préserve. Naam. Et te donne la force, inshallah ta'ala, de donner des cours aux frères dans le minhaj. Naam. Quant à Muslim, alhamdulillah, je te dis que le sang est masha'Allah. Et on a entendu que quelqu'un a été criblé de balles aujourd'hui. Que Allah ta'ala nous en préserve. C'est pas dans la radio, il y a quelqu'un qui a été criblé de balles aujourd'hui. Allah yahfadna. Et aussi autre chose, les deux livres. Il y a quelqu'un qui me dit il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son dans le iChaiter. Hein? Il n'y a pas de son, me dit. Vérifiez s'il n'y a pas de son dans le iChaiter. Tayyib, on m'a dit quoi? Je voulais dire que les deux livres, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, viennent en première position.
viennent bi'idna azawajal en première position. Naam, ensuite, pour certains, vient al-mawta. Car al-mawta, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un livre de hadith à 100%, comme Bukhari Muslim. Il n'y a que des hadiths. Mais le livre de al-mawta, c'est plutôt un livre de hadith qui contient beaucoup de fiqh, qui contient aussi de fiqh. Et il contient ce qu'on appelle des balagat. Balagat, c'est-à-dire, on m'a rapporté. Il n'y a pas comme, yani Sahih Bukhari Muslim qui dit, X m'a dit, et comme ça. Il y a des narrations directes. Naam. Les rapporteurs, ça, on m'a rapporté, et comme ça, chacun a entendu de l'autre. Mais l'imam al-Kahimahullah, dans son livre, de temps en temps, il dit, balagani ceci et cela. Il m'a été rapporté ceci et cela, c'est-à-dire sans avoir entendu la personne elle-même. Naam. Et je sais que certains savants ont essayé de voir toutes les belles arêtes qu'il y a pour essayer de les rendre véridiques, comme Ibn Abd al-Barr dans son livre Tamhid, et qu'il a dit, je crois, j'ai pu, sauf une. Il a dit, sauf trois ou bien sauf une, je n'ai pas pu lui trouver sa chaîne de retransmission. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. Ensuite la sœur dit, je veux mettre le jilbab mais ma mère et mes frères ne veulent pas. Je fais quoi? Je veux mettre le jilbab mais ma mère et mes frères veulent pas. Je fais quoi? À la rigueur, inshallah ta'ala, à la rigueur, mets un long hijab. Mets un hijab qui commence par les épaules mais qui est large. Je dis large, c'est-à-dire qui ne montre pas les épaules, etc. et qui descend jusqu'à inshallah ta'ala le sol, et ensuite tu mets un foulard qui descend par exemple, voilà, jusqu'aux hanches ou bien plus. Naam. Dans ce cas tu es excusé jusqu'à ce que Allah azza wa jal t'ouvre la porte et te marie, et là-bas tu mettras inshallah ta'ala le jilbab qui commence de la tête bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. On termine avec la dernière personne qui est sur le iChatter. Tafadhal. Ibn Mohamed, Inch'Allah, c'est à vous. Ibn Mohamed, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Et après, cher, il y a Abu Salma, Allahu Alam, il doit vous dire quelque chose, car il lève la main depuis tout à l'heure. Ibn Mohamed, est-ce que vous avez une question? Non, ça va faire 10 minutes que le cher devait y aller. Inch'Allah, en tout cas, c'est la dernière question. Ibn Mohamed, est-ce que vous avez une question, Inch'Allah? Envoyé où, Akhi? Si tu l'as envoyé sur la room, on n'a rien reçu. Et mes PV, j'ai pas de question. Fais un copier-coller, Inch'Allah, Akhi. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais d'abord vous dire que je vous aime en Allah, que vous nous avez bien manqué, et vous remercier pour le temps que vous nous accordez. Je tenais également à remercier les frères qui encadrent le salon sur Paltalk. Barakallahu fikoum. Wa fik baraka. Ma question est la suivante. J'ai entendu l'avis de Cheikh Al-Husaymin, rahimahullah, dire qu'il fallait bouger le doigt pendant l'invocation entre les deux soujouds. Car il y a un hadith qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam bougez votre doigt lorsque vous êtes assis en prière. Je voulais savoir si vous connaissez des avis à propos de ça. Barakallahu fik. Tafadhal, Inch'Allah, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan akhana ibn Muhammad. Naam, barakallahu fik. Et ahabbak alladhi ahbabtani lahu. Allah azza wa jalla sam. Comme tu m'as aimé. Et je voudrais dire que Sah, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que lorsqu'on est entre les deux prosternations, on s'assoit et on dit Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, puis on dit Rabbi khfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni, wajburni. Il a dit, on bouge le doigt comme lorsqu'on fait la tahiyya, comme lorsqu'on fait la tahiyya, et il s'est basé sur un hadith faible. Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans son livre Sif Salat al-Nabi, a réfuté ce dalil. Il a dit que celui qui dit ça, naam, est en faute. Yani,
que ce n'est pas ça la sunna, car le hadith est faible, hein, et que le vrai, c'est de bouger le doigt lorsque on est assis après avoir fait deux rak'at. Après avoir fait deux rak'at, le premier tashahhud, on s'assoit, on bouge, on pointe le doigt vers la qibla et on le bouge. On pointe le doigt vers la qibla et on le bouge de haut en bas doucement. Doucement, de haut en bas, naam, juste un peu. On ne le descend pas beaucoup et on le lève beaucoup. Naam, juste un peu, quelques millimètres de haut en bas. Doucement, c'est ça la vraie sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il y a un hadith qui dit vous êtes assis. Naam. Être assis veut dire ici être assis pour le tashahhud et non pas être assis naam, entre les prosternations. Pour que tu comprennes mieux, c'est comme lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a dit que nahnu ma'ashir al-anbiya umirna an yani nu'ajjil al-fatur nu'akhir al-sahur al-suhur, et il a dit wa an nada'a aymanan ala shama'ina fi salat. Qu'a dit le messager d'Allah? Il nous a été ordonné de mettre la main droite sur la main gauche dans la salat. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Est-ce que lorsqu'on est assis entre les deux prosternations, on met la main droite sur la main gauche? C'est pas possible. Pourtant on est dans la salat. Est-ce que lorsqu'on est incliné, on met? C'est pas possible. Pourtant on est dans la salat. Et le hadith a dit, il nous a été ordonné de mettre la main droite sur la main gauche dans la salat. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici dans la salat? Il veut dire lorsqu'on est debout en train de lire. C'est la même chose bi'idhnillah azza wa jall. Je m'arrête ici inshallah ta'ala. Je vous donne rendez-vous inshallah ta'ala mercredi bi'idhnillah azza wa jall dans le cours de la personnalité de la musulmane, et là-bas inshallah ta'ala vous poserez des questions diverses sur le fiqh, sur le zawa, sur la talaq. Je sais que vous aimez beaucoup le talaq et le khula. Naam, là-bas inshallah ta'ala vous poserez vos questions. Naam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala comme vous m'aimez en Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.